Fleur Bonaventura sera sur nos écrans ce mercredi 27 septembre dans le téléfilm À Fleur de Peau diffusé sur France 2. L'occasion de revenir sur son parcours, et surtout son ancien partenaire Alfred Rambaud. Pour le plus grand bonheur de ses fans, Fleur Bonaventura revient sur grand écran avec le téléfilm À Fleur de Peau, diffusé sur France 2 ce mercredi 27 septembre à 21h10. L'actrice incarne une flic qui se réveille dans le coffre de sa voiture. Problème, elle ne se souvient plus de rien. À travers ce long métrage, la comédienne navigue entre suspens et quête d'identité. Ces dernières années, la jeune femme de 34 ans n'arrête pas d'enchaîner les apparitions sur petits écrans. Dès l'âge de 10 ans, celle qui est née le 12 octobre 1988 suit ses premiers cours de théâtre. Passionnée, elle intègre le conservatoire Marcel Dupré à Meudon en 2002 pour apprendre l'art dramatique pendant 3 ans. Alors qu'elle entre en classe de première au lycée en 2005, elle décide d'abandonner pour entrer dans l'école Eva Saint-Paul. Fleur Bonaventura, tout savoir sur Alfred Rambaud, son ex-compagnon, elle fait ses premiers pas dans le monde du cinéma en 2009 avec une apparition dans un épisode de la série Les Petits Meurtres d'Agatha Christie. Elle décroche son premier rôle 4 ans plus tard dans une série diffusée sur France 3 et intitulée Commissaire Magellan. C'est à partir de 2012 que sa carrière commence à décoller. Elle obtient le rôle principal du téléfilm Malgré elle avant de jouer dans Mes deux amours. C'est ensuite dans le long métrage Comme des frères, réalisé par Hugo Gélin, que l'on peut la voir. L'année 2013 marque un nouveau tournant pour sa carrière. Elle est révélée au grand public grâce à la série La Source sur France 2 où elle décroche le rôle principal et partage la caméra avec Christophe Lambert et Clotilde Courau. Une si longue nuit, Casse-tête chinois, Les souvenirs, Les blessures de Lille, La promesse du feu. Depuis, la jeune maman continue d'apparaître au cinéma et à la télévision. Côté vie privée, la jeune femme a partagé une partie de sa vie avec Alfred Rambaud. En 2016, le couple donne naissance à leur petite fille prénommée Madeleine, aujourd'hui âgée de 7 ans. Alfred Rambaud est connu pour avoir réalisé le court-métrage White City Spleen en 2012 dans lequel joue également Fleur Bonaventura. Séparée depuis un petit moment, l'actrice a retrouvé l'amour aux côtés de son compagnon, Jérémy Minuit. I just need